Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur le bikini avec Sissi 4. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui me semble totalement impossible, Sissi, c'est une youtubeuse, mais surtout une fit girl, qui fait un travail qui, pour moi, est exceptionnel. C'est une femme qui est pleine d'énergie, pleine d'idées, pleine d'amour, pleine de partage. C'est une femme que j'aime énormément et que j'adorerais un jour avoir la chance de rencontrer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais plus précisément sur Snapchat, d'ailleurs ceux qui ne le font pas, je vous le mets juste ici, 5 fois par semaine le matin, je fais une séance du bikini avec Sissi 4. Donc j'essaye tout simplement de faire par semaine au moins 2 séances jambes, une séance dos ou taille, etc. Une séance un peu plus ciblée sur les pecs, les épaules, le dos. Et une séance, comme elle les appelle, une séance cardio-hite. Avec ce programme-là qui est le mien, j'ai vu énormément de différences. Quand j'ai commencé, il faut savoir que j'étais quand même assez sportive. Donc ça fait environ 6 ou 7 ans, je pense, que j'essaye de faire du sport assidûment. J'ai, comme tout le monde, des périodes où je n'ai pas envie. Et en fait, je m'écoutais beaucoup trop et j'arrêtais totalement. Puis je recommençais sur un autre sport, puis j'arrêtais, puis je recommençais. Donc en fait, je faisais tout simplement l'effet yo-yo sur mon corps. Et je trouvais ça dommage parce qu'il y a des moments où je me sentais vraiment très bien dans mon corps et il y a d'autres moments où je me sentais flasque. Et en fait, donc j'ai commencé ce programme parce que je suivais Sissi depuis un moment et j'ai vu qu'elle proposait ce programme là et je me suis dit ben pourquoi pas essayer, sachant que ça faisait déjà 4 à 5 mois que je faisais de la musculation chez moi toute seule. Donc j'ai essayé. Comment vous dire que la première séance, j'ai été totalement incapable de la finir. Commençons par là. Et puis au fur et à mesure, au bout de la deuxième, je me suis forcée, j'ai fini la séance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'y arrivais de mieux en mieux, que mes postures étaient de plus en plus propres, que j'arrivais de mieux en mieux à tenir. Je prenais énormément de plaisir à faire ces séances. Puis en fait, j'ai réussi à faire totalement les séances convenablement au fur et à mesure. Ce que dit Sissi est totalement vrai. Avec ce bikini avec Sissi, on va s'améliorer, on va voir des changements s'opérer à son rythme certes, mais ils arrivent quand même. Je me suis rendu compte tout simplement, par exemple, j'avais perdu de la masse graisseuse au niveau des cuisses qui s'était tout simplement transformée en muscle, ce qui est pour moi la première fois. J'ai énormément perdu également au niveau du ventre, au niveau de la taille. J'ai pris au niveau des bras, des épaules, du dos, je vois tous mes muscles commencer à se dessiner. Certes, ça ne va pas aussi vite que je le voudrais, je pense que j'atteindrai jamais ce que je veux atteindre, mais c'est le chemin de tout le monde et il faut savoir être content déjà de ce qu'on a, je trouve. Pour ne rien vous cacher, j'ai seulement perdu 1 kg pendant ces 2 mois-là. Il faut savoir, oui, que le muscle pèse plus, mais c'est aussi parce que je ne faisais pas réellement attention à mon alimentation. C'est-à-dire que j'essayais de boire, de manger équilibré, etc. Mais il faut le dire, j'adore tout ce qui est sucré, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est gras, tout ce qui est friture. Et c'est pas en bossant au McDo que ça allait s'améliorer, ça c'est sûr. Mais j'ai tout simplement décidé pour les 2 mois prochains de faire un peu plus attention à mon alimentation, de garder le même nombre de séances par semaine, à boire plus. Et je vais également essayer de réduire un peu mon sucre parce que je me rends compte en y faisant un peu plus attention que je consomme énormément de sucre. Donc je vais essayer de changer tout ça. Et ce que je vous propose, c'est que dans 2 mois, on se retrouve au même endroit et que je vous dise qui a changé, s'il y a d'autres choses, si j'ai stagné. Voilà, on va faire un petit suivi comme ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dit ce petit suivi, si vous, vous avez envie de vous lancer ou si vous vous êtes lancé dans le bikini avec Sissi 4. Vous pouvez laisser un petit like à la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Salut !